Vous êtes qui, vous ? Wouche de début de matinée. Il est 7h25. Il est 7h30. Donc wouche de début de matinée parce qu'on va se faire tout de suite la nuit fantastique. Parce que sinon, on en sort juste. Donc là, on va vous sortir toutes les réactions qu'on a eues à chaud. Donc sur les 4 films de la nuit fantastique, le gros du gros du festival de l'absurde séance, ce qui a fait sa légende et son mythe à travers la France entière. Évidemment, sa nuit fantastique, donc avec 4 longs métrages, un petit déjeuner à 2h30 du matin et une putain de bonne ambiance, ça c'est clair. Une putain de le bonne ambiance. Le gros du gros, mais pas le bon du bon. Ça s'annonçait, c'est ça que c'était bien blindé et puis c'était cool. Ah oui, par contre, une soirée bien blindée dans deux salles avec beaucoup de monde, non, ça c'était vraiment excellent. Avec 4 films, tous de genres différents, un hommage au Giallo, un Rape and Revenge, un film d'esprit et de monstres et... Une purge. Et un truc. J'appelle ça un truc parce que ça dépasse le stade de la purge, parce qu'une purge, des fois, peut être savoureuse. Et oui, là, bah, on va dire, oui. Savoureuse de une chose. Bon, enfin bref, bravo à l'équipe de l'absurde séance pour avoir réussi à remplir à ce point le 14h. Ouais. Donc, on a commencé avec The Editor du groupe Astron 6, à qui on doit Father's Day et Manborg, tout de même, qui sont deux films qui sont passés également au festival de l'absurde séance. Il y a une vraie histoire d'amour entre Astron 6 et l'absurde séance. Et donc là, c'est leur dernier long métrage. Donc c'est canadien. Que l'absurde séance essaie quand même de s'arracher depuis une bonne année et demie, sans déconner. Et là, ils l'ont enfin eu. Ça valait le coup. Et bah ouais. Alors, qu'est-ce que ça raconte l'histoire Val, je le sens fort. Ça raconte l'histoire de Rei Seizo. C'est Rei Seizo. Seizo. Qui était le meilleur mental de l'histoire du cinéma. Mais en fait, il a eu un accident, donc c'est plus le meilleur mandat de l'histoire du cinéma. Et il se retrouve sur un tournage d'un giallo italien, un pur giallo italien. Il y a plusieurs membres de l'équipe qui meurent au fil du récit. Tué par un. C'est tout. Nous disons rien. Ce mystérieux tueur, nous n'en dirons pas plus, mais disons simplement qu'il a une passion particulière pour les acteurs. Allez, vas-y, Val, ton ressenti du coup. Eh ben, putain, moi ça fait longtemps que j'attends ce film, parce que entre les retours sur Twitter que j'en ai, qui défilent tous les jours sur mon mur, avec tout le monde qui se fait retweeter par Astron 6, avec The Editor est génial, The Editor est extraordinaire, The Editor est l'un des meilleurs films que j'ai vu de toute ma vie, je l'attendais, et très sincèrement, c'est un très très bel hommage au giallo, déjà de base. C'est un très très bel hommage au cinéma. C'est un film très intelligent parce qu'il mélange énormément de codes, de la comédie, du cinéma d'horreur, du thriller, du fantastique. Enfin voilà, c'est très très intelligent. Un petit peu trop barré, je pense, pour beaucoup de monde. Et quand on regarde le film, c'est assez compréhensible. Le délire reste palpable et on peut le savourer. Bah, d'ailleurs, regardez la préscience qu'on a faite parce que les gens se posent des questions. C'est très mitigé, on va dire, sur ce film. Même si les gens aiment, c'est très mitigé. Et peut-être un petit chouïa trop de métaphores dans le film. Un tout petit chouïa et notamment une fin, pas une fin post-générique, mais une fin. Une fin un tout petit peu trop tirée par les cheveux qui a tendance à perdre le spectateur et à le laisser sur une note légèrement douce amère. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon film, très intelligent et très réussi. Très bien. Mathieu ? Très bien. Allez, Fabien. Bon, alors, The Editor, moi aussi, un petit coup de cœur là, sur ce film-là. C'est vrai que j'en ai entendu parler, maintenant on en a parlé un petit peu, mais je m'attendais pas comme un truc extraordinaire, mais non, j'ai eu un bon petit coup de cœur pour ce film-là. C'est un film, je rejoins Valentin sur ce qu'il a dit, qui est une mise en abîme sur le cinéma aussi. C'est ça qui est intéressant. Il mélange tous ces genres de styles, comme tu as dit. Il y a l'humour burlesque que moi j'adore et que j'apprécie. Il y a des situations, il y a des séquences qui sont à mourir de rire, et d'autres séquences qui sont vraiment à prendre, telles quelles, qui sont vachement froides, qui sont vachement sentimentales, il y a des trucs très... Et qui, pour moi, touchent même parfois, souvent, le plus de la métaphore, mais presque dans le métaphysique, en fait. On c'est vraiment dans un film
qui m'a assez, assez bouleversé dans le sens où il y a vraiment... j'ai ressenti plein de choses dans ce film-là. Et à la fin de la séance, je savais que j'avais aimé le film. Mais t'arrivais pas à mettre des mots dessus. À des mots ouais. forcément dessus, il y a des choses que j'avais pas encore compris, que j'ai compris plus tard, que je comprendrai peut-être que demain ou tout à l'heure, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le film. Le casting marche bien, il y a, voilà, la musique est hyper cool. Oui. Très joli choix musical avec un paquet d'artistes monstrueux du cinéma de genre de international, c'est extraordinaire les choix musicaux. Enfin, ouais. Mais je peux comprendre qu'il avait fait. Dans le gène, j'ai pas vu. Ils ont fait, il y a plein d'artistes. Il y a plein d'artistes. Et du coup, ouais, non, c'est vrai qu'à la sortie, après, je peux comprendre qu'à la sortie de la séance, on a un peu déphasé, on sait pas trop forcément qu'est-ce que ça voulait dire ou où est-ce que ça voulait aller. Mais je pense qu'on peut prendre une partie du film chacun différemment et qu'il faut garder ce qu'on a préféré, en fait, je pense. C'est ça, tout simplement. Donc voilà. Ben, moi, ce film-là, je n'attendais rien puisque je n'avais pas entendu parler. Donc c'est surprise totale. Excellente surprise, excellente, parce que j'aime bien les giallo et surtout je connais un petit peu le... Parce que c'est un genre très codifié, et comme je connaissais les codes, hein, c'est facile à voir, c'est sur Wikipédia qu'il faut chercher. Ben là, je pouvais voir comme ça tous les gags référentiels, toutes les mises en avis, toutes les situations, enfin on dira loupé évidemment quelques-unes, mais tout ce que je voyais, c'était du bon sens, je voyais à quoi ça faisait référence, quel point, quel truc... Et comme ça, en tant que spectateur, j'ai pu reconstituer un peu le puzzle. Et c'est vraiment très plaisant quand un film joue avec vous. Pas au sens il se fout de votre gueule, mais au contraire, il vous invite à jouer avec, à comprendre les petits sous-textes, tout en étant en plus, c'est un pastiche de giallo, c'est une parodie de giallo. Tout en étant un véritable plus un pastiche qu'une parodie, parce Oh, il y a quand même quelques blagues là-dessus. C'est une blague, mais je trouve que le mot parodie dans le genre-là est presque méchant, en fait. Parce que pour moi, une parodie, c'est vraiment du super-héros movie ou des conneries comme ça. Pastiche, t'as raison. Parodie, pas du tout. Parodie, c'est vraiment un détournement complet du genre, et là, il y a vraiment plus de subtilité. Oui, mais quand même pas mal de détournements. Donc, je vais garder pour moi parodie, mais je comprends tout à fait ton objection. En tout cas, pour finir, moi, c'est un film. Je vais le chercher en DVD, surtout en Blu-ray. Ouais, si je le trouve. À mon avis, tu risques d'en chier parce que les films d'Astron 6 se sont distribués comme de la merde en France et je crois qu'il n'y en a aucun même qui est distribué en France. Eh ben ça, cette merde-là, ça vaut le coup de la chier. Mais c'est pas une merde. C'est une merde de distributeur. Ouais. Mais voilà. Deuxième film. Allez. Some Kind of Hate. De Adam Egypt Mortimer. Qui nous a fait une belle intro du film, très rigolote. Qui a un peu spoilé le film d'ailleurs. Oui, qui a un peu spoilé le film. Il parle d'un personnage. Voilà. Bon, en gros, après, c'est quoi l'histoire, c'est très simplement. Donc, on suit Lincoln, un jeune garçon qui va commettre un accident assez grave dans son école. Il va planter une fourchette dans la glotte d'un de ses potes. Donc, il va rejoindre un groupe de réinsertion, on va dire. Ouais. Le camp entre... du troisième œil. Oui, je ne sais plus comment il s'appelle. Mind Eye, l'œil de l'esprit. Troisième œil de l'esprit, oui. C'est là où les jeunes vont essayer de se retrouver. C'est un camp de réinsertion, on va dire. Expier leurs démons. Un peu dans ce sens-là. On part sur ça et. C'est tout. Et non, bah, si, quand même. Si on n'a pas envie de trop en révéler. Oui, mais juste une phrase de plus, je dirais que Lincoln, du coup, va quand même, au sein de ce groupe-là, qui doit être uni et qui doit affronter ce même genre de problème, va encore se faire. Martyriser. Se faire martyriser. Voilà, voilà. C'est bien dit. Je voulais juste rajouter ça, je trouvais ça important. Eh ben vas-y Fabien, enchaîne. C'est pas un film extraordinaire, c'est pas un film excellent, c'est pour moi juste un bon film. Dans le sens où c'est pas hyper original dans la façon, parce que c'est un film de genre qui part sur un truc assez gore quand même, hein. On est quand même dans du torture porn au final. Et du fantastique horrifique. Ouais, mais quand même pas de scarification. Moi, allez, entre le torture porn et le. Donc, toi, c'est un film de torture. Le film de torture. T'as pas du torture porn, plus dans la torture à la limite. Et donc qui est juste un bon film, enfin, j'ai perdu ce que je voulais dire du coup, dans ce sens-là, voilà, c'est pas spécialement original, mais le personnage sans spoiler qu'on va amener et qui va faire subir toutes les peines à tous les personnages, je trouvais ça intéressant la façon dont il allait mourir et prendre l'emprise sur les autres personnages. Oui, voilà. De ce côté-là, dans l'ensemble, il y a une petite pointe d'originalité qui a fait que le film vaut
le coup d'œil, ouais, on va dire. Oui. Voilà. Après, le casting n'est pas forcément excellent non plus, à part certains personnages. Je trouve pas que Lincoln soit le plus attachant des personnages non. dans le film. Non, c'est voilà. Cas. Donc du coup, à voir, mais pour moi, c'est juste correct. C'est juste standard. Ouais. Voilà. Vas-y, Mathieu. Je rejoins assez l'avis de Fabien. Pour moi, c'est un film qui a de trop gros défauts pour ses qualités et trop de qualités pour ses défauts. C'est franchement l'élément fantastique. L'idée de base est géniale, mais tout est mal exploité pour moi. Donc, parce que c'est très difficile d'utiliser un élément fantastique, de savoir le doser. En particulier, en fait, il manque son fonctionnement. Alors, c'est pas besoin de le dire explicitement avec telle règle, telle règle, telle règle, mais de le faire comprendre au spectateur de manière implicite, c'est possible aussi. Or, ce film-là, j'ai l'impression qu'il il laisse son élément fantastique en roue libre, aux besoins du scénario, plutôt que pour ce qu'il peut être. Donc j'étais un peu déçu, alors que l'idée de base est assez excellente, surtout que les références pour cet élément fantastique données par le réalisateur sont bonnes. En particulier, il parle du film de Clive Barker, Candyman, qui est un très bon film, avec un très bon élément fantastique de référence, qu'il a voulu copier, ça se voit, ça se sent, au niveau de l'histoire, de cet élément fantastique. Mais ça n'arrive pas là, parce que justement, c'est pas bien travaillé, à mon avis, c'est vraiment un problème d'histoire. Mais sinon, c'est bon. Voilà. Donc, oui, bon, à recommander quand même, à creuser cette idée-là. Voilà. Non, mais j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à vous. J'essaie d'afficher s'il y a vraiment un point que je pourrais enfoncer. Non, je suis d'accord avec vous. C'est un film qui est légèrement au-dessus de la moyenne parce qu'il a une très bonne idée au niveau de son truc fantastique. Ouais. Parce que je qualifie ça plus un truc fantastique qu'un vrai élément fantastique. Après, moi, j'avoue que j'ai pas du tout trouvé de pointe d'originalité dans énormément d'éléments. Je trouvais que le début me faisait penser au film Coldwater qui est sorti l'année dernière. Et ça m'a vraiment trop fait penser à ce film-là. J'avais vraiment la sensation de voir un remake, en fait. Ça me dérangeait vraiment au début. L'élément fantastique apporte juste une pointe de rythme supplémentaire à un film qui aurait pu tomber dans la facilité. Et je trouve que c'est étrange, je reste quand même, je déconne là-dessus, mais je tiens à faire ressortir, je trouve ça étrange le fait qu'on se retrouve dans une espèce de colonie sectaire où les blacks sont les méchants. Ça m'a vraiment dérangé. Au début, j'en déconnais, et plus je reculais, plus je trouvais cet élément vraiment étrange. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais, je trouve cet élément vraiment étrange. C'est un détail, c'est pas forcément essentiel, après, mais je trouve c'est bizarre. C'est juste bizarre. Après, je qualifierais pas forcément de clan sectaire, parce que c'est une façon de... Bon, après là, c'est une version assez américaine, ouais. Mais c'est un camp de réinsertion. C'est comme ceux qui sont drogués, c'est comme ceux qui ont commis des petits délits, des petites choses. Ouais. Mais après, ce côté-là, oui, avec le black, sans... J'ai trouvé ça étrange. Mais il a accompagné d'un néo-nazi, il a accompagné d'un... Oui, voilà. Il a accompagné... Bon, après, voilà. Mais je peux comprendre. German Hong, c'était dans ce même esprit-là. Surtout que peut-être tu fais référence aussi au cliffhanger de fin, du coup. Au cliffhanger de fin aussi. Qui en rajoute une couche et qui voilà, est pas forcément très délicat. Mais voilà. J'ai pas considéré ça comme une série. Après, ça reste intéressant et voilà, ça peut être vaguement intrigant pour certains spectateurs. Ça vaut un coup d'œil. Ça peut valoir un coup d'œil si on a rien d'autre à regarder, je pense. Oui, plutôt. Oui. Ensuite, troisième film. We Are Monsters. Film suédois de Sony Laguna. Oui. Sony Laguna. Cyril Hanouna ? Non. De Sony Laguna. De Cyril Hanouna. Non, de Sony Laguna. C'est pervers. De cette année, 2015. Sans déconner, c'est quoi l'histoire ? Enfin, s'il y en a une, c'est sur un tas de repos. Vas-y, Mathieu. L'ambassadrice d'Australie qui est venue négocier un traité sur l'utilisation, sur l'exploitation de pétrole au Venezuela, se fait enlever par quelqu'un qui ignore son identité. Une femme qui la vend à deux pervers, deux dont hommes. un qui est le chef. Elle ne la vend pas vraiment. Non. Ouais, enfin, elle en profite aussi, mais oui. L'idée, c'est que ça devient une proie pour des traqués. Des traqués sexuels. Et donc, qui vont lui faire subir les pires outrages de manière bien graphique. Et quand elle aura l'occasion, enfin, elle va se venger
de la meilleure manière possible, c'est-à-dire avec beaucoup de violence et de douleur. Et de conneries, bordel de merde. Conneries. Et de conneries, putain. Oh la vache. Alors, moi, je vais commencer parce que j'ai envie de le dire depuis un bout de temps. Cette meuf m'a énervé tout le long du film. C'est le genre de film qui m'énerve dans pétasse. C'est le genre de personnage qui va faire toutes les actions à l'inverse total des réactions normales d'un spectateur, je pense. Dans des films, ça arrive. Il y a une personne qui va courir dans un sens, non, on ne va pas lui aller là, c'est pas grave. Elle, mais tout le long du film, elle m'a énervé. J'avais envie de lui mettre des baffes. J'ai dit, mais pourquoi tu restes là? Pourquoi tu fais ça? Elle avait 10 occasions pour se sauver. Elle a l'impression qu'elle avait envie de rester avec eux. Franchement, c'était ça. Donc, ça m'a énervé. C'est dommage parce qu'il y avait. Il y avait matière à creuser des choses intéressantes. On suit, on a les antagonistes qui sont un petit peu creusés pour qu'on ait un peu de compréhension avec eux, mais ça va pas plus loin et ça marche pas. Donc du coup, pour moi, c'est un film qui tombe un peu à l'eau. C'est dommage parce que voilà, j'avais aimé un peu l'ambiance Kraspek, même si l'image est pas belle au final. Oui. Le son est horrible. Oui. Le son est monté par un putain de sourd. Qui est dégueulasse. Mais la base. Aurait pu être à la base avait une patte intéressante, mais après tout le reste est là et le juste fait que ce personnage m'a saoulé, c'est très rare. Mais là, ce film, il a tout fait là, quoi. Il a tout fait à l'inverse de ce que j'aurais voulu qu'il fasse. Donc du coup, j'ai mis une petite note parce qu'il est pas non plus nul à chier. Mais voilà, c'est pas extraordinaire. Quoi. C'est filmé avec un putain de filtre Instagram. Ça a un scénario sur un timbre-poste qui n'est pas foutu d'assumer ses références et de les pousser le plus loin possible et de construire ses personnages. Ça a des acteurs absolument lamentables, notamment l'actrice principale qui a des palettes d'émotions absolument ridicules, qui arrive quand même à un moment à planter un tournevis dans l'épaule du mec et à jouer, on va dire, la surprise et l'étonnement de sa réaction comme ça. Voilà. Non, mais la faciès, c'est un jeu d'acteur assez particulier. D'après, Fabien, tu l'as très bien dit, il y avait des idées. Oui, il y avait des idées. Il y avait des idées de mise en scène, il y avait des idées d'écriture, il y avait des très bonnes références comme The Devil's Reject de Rob Zombie, et ça se ressent avec les trois personnages, c'est évident. Au-delà des gueules d'ailleurs, parce qu'ils ont exactement les mêmes gueules, quasiment les mêmes caractères, mais il n'y a aucun développement de cela. Il y a un putain de filtre Instagram qui surappuie toutes les couleurs tout au long du film et qui rend le film dégueulasse. Et oui, il y a vraiment des acteurs absolument pitoyables, et donc pour moi, c'est un film qui est pas bon, qui n'est pas une purge, loin de là, parce qu'il y a quand même des intérêts, mais qui n'est pas bon, qui est juste pas bon, qui est pas intéressant. Qui est raté en fait, je trouve. Voilà, qui est raté. Qui est raté. Mais bon, Mathieu a un autre avis et on va l'écouter. Ben, moi, c'est surtout parce que je le prends à partir de son genre. C'est un rape and revenge. C'est un des genres les plus craspec et les plus casse-gueule possibles. Il y a des bons films qui ont été faits dessus parce qu'ils ont avaient un message derrière. Ce film n'en a quasiment pas. Bon, pour moi, c'est pas. Moi, sur le personnage féminin, ça ne m'a pas énervé parce qu'au contraire, je trouvais que ses réactions étaient normales pour quelqu'un qui était dans cette histoire. Mais en tant que spectateur, effectivement, j'arrêtais pas de dire, mais prends ce putain même, de... Même dans l'histoire, putain, je suis désolé, là, tu ne vis qui lui t'emmenait tout le long, alors que le mec est en train de l'étrangler, putain, au bout d'un moment, tu l'attrapes, le tournevis, oui. Tu réfléchis pas, putain. Elle, au bout d'un moment, elle l'attrape. Oui, enfin, au bout d'un moment, au bout de 3 minutes, elle est sur le point de crever, elle se dit, ah oh, tiens, c'est vrai qu'il y avait un tournevis que j'avais planté tout à l'heure, peut-être que je devrais le reprendre, non pourquoi pas. T'as l'impression qu'elle attend de se faire voir avant de s'échapper tout le temps, quoi. T'as l'impression que tant que je me suis pas fait voir, je peux pas courir, quoi. C'est un peu ça. Ah bah attends, comme l'a dit Fabien un moment, elle se planque 3 fois au même endroit. Dans le même ça, c'est pas, ça, c'est non, pas carrément. Contre, j'ai complètement compris cet aspect-là, par contre. Là, c'est un peu particulier, c'est comment ça s'appelle, c'est la psychologie d'une victime. Syndrome de Stockholm. Non, oui, ben, ça pourrait être ça. Stockholm Production, c'était ça le nom. Syndrome de Stockholm avec un coin de maison. Mais je me suis attaché à ce coin de maison, avant c'était ma prison, maintenant c'est mon ami. Non, mais moi j'ai compris la raison pas de cette planque. Cette utilisation du coin. Et alors, dis-moi vraiment ce que t'as compris, parce que moi je vois rien du tout d'intéressant. C'est même pas une vraie planque en plus. Oui, mais c'est parce que justement, le problème lorsqu'on est dans ce genre de situation, au sens large, hein, évidemment, c'est qu'on cherche avant tout à se créer des repères spatiaux. Ouais. C'est pas conscient. Et qu'elle le fasse une fois, et genre deux fois à la limite, ok, mais là elle le fait trois fois sans sens. Elle se crée pas un repère spatial et elle revient à cet endroit-là comme si. Elle sentait en sécurité en fait. Comme si elle se sentait en sécurité. C'est pour réévaluer son espace.
Et bah, il aurait dû la mettre blonde. Dans ce cas, il aurait fallu la mettre blonde parce que ça aurait non, limite paru intelligent en fait. J'ai du mal, j'arrive pas à comprendre. Je comprends tout à fait, mais. Bon, c'est. Pour moi, c'est une réaction normale quand on est martyrisé de faire ce genre de truc. Et pareil pour le tournevis. C'était pas un tournevis, mais. Bon, ce que j'en sais. Mais. Oui, ne pas revoir le point faible qu'on a utilisé à cause de la souffrance au niveau de la gorge et sur un jeu, ben. Si, c'est, pour moi, c'est pas illogique. C'est, ça paraît débile à l'écran, mais c'est possible. Oui, mais on est dans du cinéma, Mathieu. On n'est pas dans un effet réaliste. Je suis sûr que nous, dans n'importe quelle condition assez horrible, on va avoir des réactions totalement différentes. On réfléchit pas. Non, mais là, le décalage entre la situation. Je pensais pas être le seul à lui dire, mais t'es conne, quoi. Ah, mais moi, je lui disais, prends ce putain de. Parce que justement, en tant que spectateur, je lui disais. Parce que je voulais surtout avoir enfin le violeur puni, quoi. Je voulais. Que lui souffre ce qu'il devait souffrir. Et tu vois, moi j'avais la sensation que toute la salle était plus en train de dire putain t'es conne, prends le tournevis, c'est pas dans le sens bute-moi ce connard. J'étais aussi dans prends ce putain de tournevis. Bah, moi j'étais vraiment dans ce prends ce putain de tournevis dans le sens t'es conne meuf, t'es la pire le pire personnage que j'ai vu de l'histoire du cinéma, prends ce putain de tournevis. Moi, je n'ai jamais vu de plus, personnage aussi con. Bon. J'aurais tiré 3 fois que le fusil avant même qu'il le lâche. Voilà, restons sur l'idée qu'en fait c'est une question de perception, mais dans l'idée, quand même, ce film-là ne raconte pas grand-chose, et on peut passer outre sans souci, je pense. Oui, sans celui-là, oui. Ouais. Voilà. Par rapport à celui d'avant qui pouvait mériter un coup de celui-là. Par contre, celui qui vient... Oh, putain. Oh my god. Alors, celui-là, vous pouvez l'éviter. Alors, quand il y a shit dans le titre, et qu'il y a The Movie, The Movie, une pointe à Valentin qui après, disait ça, elle avait raison, hein, c'est que c'est une grosse... Et donc là, c'est Violent Shit, The Movie, de Luigi... Pastore. Italienne 2015. Remake d'un vieux film allemand. Anders Schnass, qui a fait 3 suites en plus, et qui raconte l'histoire absolument lamentable d'un tueur qui s'appelle Carlo Le Boucher. Qui va commettre des crimes horribles. À Rome. Franchement, sans déconner, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est vaguement Carl Le Boucher qui est en fond. Et on suit 2 flics qui enquêtent sur des morts qui ressemblent à Carl Le Boucher. Et en plus, à côté, il y a des mecs. Il y a un mec qui aime bien faire des trips sadomaso avec des meufs. Et on suit un vieux professeur qui prépare une soirée. Voilà. Soirée satanique. C'est même pas satanique, c'est une soirée pédophile. C'est une soirée. Non, c'est une soirée partouze. Oui, mais. Il n'y a rien de satanique dans cette. Il y a le cannibalisme. Bah, c'est pas satanique, c'est cannibaliste. Mais non, c'est une soirée no name. C'est une soirée. Il n'y a même pas de thème, tu vois. Il n'y a pas de thème. Cannibale, connard de merde, Emmanuel Moiré. Pas la symbolique, mais je veux dire l'iconographie. Ah, ne sors pas qu'il y a de la symbolique dans ce putain de film, il n'y a pas de symbolique dans ce putain de film. Je me trompais de mots. Non, c'est l'iconographie, l'esthétique. C'est complètement Aleister Crowley. La tronche du professeur, c'est Aleister Crowley, qui est un des papes du satanisme. Non, c'est Voldemort. Mais c'est Voldemort. Il a été inspiré par... Ou Nosferatu, à la limite. Ça a été inspiré par Crowley. C'est un arc-journal. Oui, c'est une raclure de merde. Ce film est une purge. Oui. Mais là, il ne purge pas dans le sens où Rofors, on se marre devant. Non, là, purge. On s'emmerde. 1h40 qui dure des heures, qui est inintéressante, qui est mal jouée, qui est moche, qui est chiante, qui est dégueulasse, qui n'a aucun intérêt dramaturgique, qui ne cherche même pas à faire réfléchir le spectateur sur une situation ou sur l'avancement caractériel des personnages. J'ai jamais vu un film aussi chiant de ma vie. C'est limite, il mérite même pas un 0, mais bon, pour la gentillesse, tu lui mets un 0,25 par amour pour le cinéma. Et encore, l'amour du cinéma, là, t'as la sensation qu'il se fait violer à un degré monumental, quoi. Non, oui, moi je suis d'accord, c'est j'ai pensé comme Valentin, on attendait juste la fin du dialogue, on attendait juste un peu d'action, on attendait juste le générique, voilà. Le film, on attendait qu'il se finisse, tout simplement. Il n'y a aucun apport scénaristique dans le film, pour moi il n'y a aucun sens. On part sur un flashback à Berlin avec un petit garçon qui se fait punir par sa mère parce qu'il est sale. Un mec lui donne un masque, donc du coup qui est ce fameux casque qui était porté par... Le frère de Tien le 1. Voilà, et du coup je me suis dit, il y a forcément en tout cas à la fin un rapport avec ça. Non, en fait il n'y a aucun rapport, c'est le mec qui porte le masque et pour moi il a des tendances à vouloir tuer des gens. Et c'est un vieux mec qui ressemble à Voldemort qui donne ce masque à un mec pour qu'il tue des gens, il y a une fausse enquête en parallèle avec des gens qui sont nuls et qui n'apportent rien au film. Les dialogues sont
inintéressant au possible. Même les deux inspecteurs, alors les deux papy du Moupet Show là qui parlent, deux inspecteurs, ils servent à quoi dans le film? À rien en plus. Bah, ils ont fait un bac technique et ils vont chez un antiquaire. Voilà. C'est tout. Et c'est les pires enquêteurs du monde puisqu'à la fin ils se font buter en deux secondes comme des vieux chiens. Ils sont en pull, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils n'ont rien. C'est naze. Franchement, je suis d'accord. C'est tourné avec 2000 euros dans un bled paumé d'Italie avec 4 acteurs qui doivent être les cousins consanguins du Real. non, sans déconner, c'est... C'était dégueulasse. C'était dur. J'ai pas mieux et j'ai pas mieux non plus. Donc, vous avez parfaitement dit tout ce qu'il fallait dire. Même l'affiche nous ment, nous avons un colisée en ruine derrière, hein, juste pour dire c'est Rome quoi. Je regarderai l'affiche quand elle sera passée juste au tout début. Ouais, vous n'allez pas reconnaître cet endroit, ça n'existe pas. Il n'est pas dans le film. Et je crois que le truc qui fait l'essence même de l'affiche, c'est-à-dire un couteau et un mec qui est en train de violenter une femme, c'est les 3 dernières minutes du long métrage. C'est voilà. Pas assez violent, mais c'est bien de la merde. Voilà. Donc, bilan de la nuit fantastique, je crois qu'on est tous d'accord. Le film à retenir, c'est The Editor. Voilà, Astron 6, bravo, t'as encore réussi ton coup. Tu as très bien ouvert la soirée. Et tu as ouvert, malheureusement, la porte à une décadence qui ne se sera pas arrêtée la de toute de la nuit. Voilà. Bon, on se retrouvera demain pour parler des deux derniers films. Donc là, c'est officiel, les deux derniers films. On en profitera pour tirer un petit bilan du festival. Tu sais bien qu'on fasse un petit top 3 chacun des films. On fera un petit top 3. Chacun des films du festival. On fera un petit top 3, voilà. Et d'ici là, évidemment, qu'est-ce qu'on dit alors qu'il est 8h du matin? Bonne nuit. Non. Wouch. 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 Et wouch. Allez, bonne nuit. Ouais, moi aussi, moi je dors ici même. Allez voir des films, mais d'abord aller faire dodo.